Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au Mont-Saint-Anne, nous sera présentée une autre édition du Vélérium. Il y a la Coupe du monde de vélo de montagne également toute la fin de semaine. Il y a bien d'autres activités. Pour en parler avec nous, Chantal Lachance de Gestev. Bonjour, Chantal. Allô. Chantal, quelques minutes pour parler de ce programme de la fin de semaine. D'abord, au niveau sportif. Bien, comme à notre habitude, le programme est très intense, rempli. Alors, vendredi, nous avons une belle journée. C'est les qualifications de la descente qui sont tout aussi intéressantes à voir que la finale, pratiquement. Et nous avons également, tout de suite après la qualification, nous avons le Gap Enduro, nouvelle discipline cette année au programme du Vélérium. Le samedi, comme à l'habitude, notre descente, donc Coupe du monde de descente en après-midi, et le raid Vélomag, cette journée-là, qui célèbre son 15e anniversaire cette année. Donc, une distance agréable de 15 km pour ceux qui veulent essayer ça. Et on a également ajouté un 100 km, donc pour les pattes qui en veulent encore plus. Et dimanche, le cross-country, évidemment précédé par notre plus importante compétition de la fin de semaine, la course pour enfants, la Vélikids, qui affiche complet actuellement avec 350 enfants. Des événements qui seront présentés sur les ondes de TVA Sport au cours de la fin de semaine? Exactement, TVA Sport et TVA Sport 2 dimanche. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas venir nous voir, mais je vous encourage à venir parce que non seulement le programme de compétition est intéressant, mais tout ce qu'il y a autour crée un vrai, vrai festival autour de cette fête du vélo. On n'a pas besoin d'aimer le vélo de montagne ou de connaître ça. C'est spectacle garanti, il y a de l'intensité, il y a du beau monde, tout le monde se promène dans la montagne. C'est très effervescent, c'est très, très agréable. En terminant, Chantal, on a réaménagé le site. Il y a plus de place, plus de bons spots, comme on dit, pour voir les compétiteurs. Oui, tout à fait. Et cette année, on s'est vraiment tourné vers les spectateurs, l'expérience spectateur. On a réaménagé les abords de la descente, quelques endroits au cross-country également, pour permettre encore un rapprochement plus tangible là, vers les athlètes qui descendent à toute vitesse. Alors ça, évidemment, on y a ajouté. On a changé également la configuration du site, encore une fois, pour que le village des exposants, notre lounge Budweiser, où il y aura là, une multitude de spectacles. Allez voir notre site web pour la programmation. Mais c'est des spectacles. Ce sont des spectacles gratuits. Alors, vraiment, encore une fois, là, tout cet aménagement-là nous permettra de passer un super week-end en route vers les championnats du monde en 2019. Merci, Chantal. Bon week-end au Vélérium. Le Vélérium, c'est des athlètes de partout dans le monde, évidemment, en vélo de montagne. C'est également près de 27 Québécois, des athlètes d'ici, qui participeront à l'événement. On en a rencontré deux au cours de la semaine. Amélie Simard et Raphaël Gagné, des habitués du Mont-Saint-Anne. Parle-moi jusqu'à présent de cette saison 2017. Comment tu la qualifierais? Je sais, premièrement, que tu es vice-champion canadien. Oui, absolument. Donc, récemment, au championnat canadien, il y a deux semaines à Kenmore, c'est en altitude. Je termine deuxième. Ça s'est réglé sur une chute pour moi là, à la fin de la course. Donc, j'ai pas pu peut-être m'essayer pour sprinter pour la victoire. Mais je suis quand même très content. J'affiche un très bon niveau de forme là, au mois de juillet, même août. Ça fait longtemps qu'on te voit, qu'on te suit. Est-ce que tu as atteint ton plein potentiel et où reste encore de l'espace là, justement pour aller chercher quelques rangs supplémentaires? Le futur nous le dira. Oui, j'ai eu 30 ans il y a un mois, puis bien, je vous dirais, moi, je suis autant passionné que quand j'étais plus jeune, puis je me vois continuer encore là, absolument jusqu'à Tokyo 2020, puis j'espère même 2024. Donc, j'ai pas dit mon dernier mot, j'espère que ça continue de progresser. Puis, toujours dur à dire de savoir jusqu'à quand on continue de progresser, mais en vélo de montagne, chez les hommes, la moyenne d'âge dans le top 10, top 20 du circuit, c'est environ 30 ans. Donc, je pense que j'ai encore plusieurs belles années devant moi. À ton meilleur résultat ici en Coupe du monde, et qu'est-ce que tu prévois pour le week-end et où espères? Mon meilleur résultat ici en Coupe du monde, c'était 14e il y a 2 ans à la Coupe du monde ici. Puis, ce que j'espère, peut-être faire un top 20 là, cette année, j'étais un peu en deçà du niveau que je voulais au mois de mai. J'ai terminé 41e à ma meilleure Coupe du monde là, en Allemagne. Mais bon, je sais que j'ai le potentiel pour faire bien mieux que ça. Amélie, raconte-moi un petit peu ton parcours. Depuis quel âge tu pratiques le vélo de montagne et depuis quand c'est vraiment au niveau compétitif? Dans le fond, moi, j'ai commencé le vélo de montagne quand j'ai déménagé au Mont-Saint-Anne. J'étais en maternelle, puis là, ici, le vélo de montagne, c'est tellement gros, c'est tellement beau. J'ai commencé à en faire avec mes parents.
tranquillement, pas vite. Quand j'étais prête à faire des compétitions, j'en ai fait. Mon frère, il a commencé avant moi. C'est ça qui m'a poussée à en faire. Puis là, maintenant, après ça, j'ai fait le Vélérium depuis que j'ai l'âge de le faire. Là, j'ai commencé par les raids. Puis maintenant, j'ai l'âge de faire les Coupes du monde. Donc là, ça va être ma deuxième année à faire la Coupe du monde. Comment ça va de te frotter au meilleur au monde? Moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Là. Comme j'allais en Europe cette année pour la première fois faire des Coupes du monde, justement. Puis c'est vraiment c'est mes courses préférées. Là. C'est les courses qui ont le plus de monde. Donc à chaque coup de pédale, tu te rapproches de quelqu'un ou tu t'éloignes de quelqu'un. Là, tout compte dans ce temps-là. Puis c'est vraiment mes courses préférées. Là, ouais. Meilleur résultat, tes courses les plus satisfaisantes jusqu'ici? Ma course la plus satisfaisante, c'est vraiment l'année passée, la Coupe du monde ici. Là. J'avais fait une 9e place. J'étais quand même stressée. Je m'étais mis de la pression puis c'était devant les gens qui me supportent, puis j'avais réussi à comme mettre ça de côté puis faire une super performance. Fait que ça, c'est vraiment marqué à vie. Après la pause du vélo de montagne, on passe au cyclocross. L'Esprit sportif souligne les 25 ans de la Coupe Banque nationale présentée par IGA. C'est là où tout commence pour les plus grandes joueuses de tennis au monde. Les sœurs Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati et Eugénie Bouchard ont figuré parmi les grandes joueuses de la Coupe Banque nationale au cours des dernières années. Célébrez les 25 ans de la Coupe Banque nationale du 9 au 17 septembre au PEPS de l'Université Laval. Vous y rencontrerez les étoiles montantes de la WTA. Là où tout commence, une invitation de l'Esprit sportif. Athlète de Québec, Jérémy Martin sera du Vélérium en fin de semaine en cross-country. Mais saviez-vous qu'il est également champion canadien de cyclocross? Jonathan Fournier l'a rencontré. D'années que je fais du vélo là, au niveau compétitif. J'ai commencé quand j'étais tout jeune. Là, on était une famille qui venait du ski alpin, puis on a commencé le vélo pour se mettre en forme, pour faire une activité l'été. Puis éventuellement, là, j'ai découvert des bons amis, une bonne passion. Puis j'ai passé plusieurs années à faire ça de mes étés. Puis éventuellement, c'est devenu un passant de plus en plus à temps plein lorsque je suis monté sur l'équipe du Québec, équipe nationale. À la fin de mes années 23, j'ai une bonne blessure en Norvège. J'ai une bonne commotion puis une fracture du coude gauche, ce qui m'a fait un peu me remettre en question puis juste repenser un peu tout ce que je faisais. J'ai continué à faire du vélo de montagne puis les résultats étaient super bons. Par contre, j'ai rajouté le cyclocross de façon un peu plus importante à mon régime d'entraînement. Donc, ça fait longtemps que j'en faisais un petit peu à temps très, très partiel. Par contre, lorsque j'ai eu la chance d'en faire un peu plus, la scène m'a accroché. Le cyclocross, c'est un sport un peu original, surtout quand on est en Amérique du Nord, quand on le décrit. C'est un sport qui est en évolution ici. C'est un sport qui a environ 150 ans en Europe. Ça vient du nord de l'Europe, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Puis je dirais que pour faire une définition rapide, c'est en mi-chemin entre le vélo de route puis le vélo de montagne cross-country, comme vous allez voir au Vélérium ce week-end. Donc c'est des vélos, ça ressemble à un vélo de route, un peu renforcé avec des pneus plus solides, des cramponnés. Puis c'est des courses d'une durée d'une heure, donc plus courte que le cross-country, plus intense aussi. Ce qui est beau avec le cyclocross, c'est qu'à l'automne, les conditions sont super imprévisibles ou dans les hivers européens en Belgique. Donc des fois, on va avoir des parcours qui sont très, très secs, qui s'apparentent à des critériums de vélo de route. Puis des fois, on va avoir des parcours très, très lents qui sont... les moyennes peuvent être plus lentes qu'à la course à pied presque parce que les parcours sont très, très, très boueux. Donc c'est un sport qui a beaucoup de variété. La ligne directrice du cyclocross, c'est de parcourir le parcours ou la distance le plus rapidement possible. Parfois, c'est à pied, parfois, c'est sur le vélo. Ça diffère même de différents coureurs. Il y a certains coureurs qui ont plus d'habileté technique, donc ils vont faire plus de grands bouts sur le vélo. Il y en a qui sont des meilleurs coureurs ou des moins bons coureurs. Pas de suspension. Donc, c'est un sport qui est très difficile musculairement pour le haut du corps, contrairement à ce qu'on peut penser. Contrairement au vélo de montagne, il n'y a aucune suspension.
Le système pneumatique est assez réduit aussi. Vélo de montagne, on a beaucoup plus de pression dans les pneus. Cyclocross, le volume d'air est beaucoup plus petit dans les pneus, donc on encaisse avec le haut du corps, tout ce qui est muscles abdominaux, le dos. Donc c'est sûr que les parcours sont moins extrêmes que le vélo de montagne, le cross-country. On verra pas de sauts ou de sections rocheuses parce que c'est beaucoup plus facile de faire une crevaison. Donc c'est un sport effectivement qui, même s'il ne semble pas, est très très difficile musculairement. L'année dernière, ça a été une saison là, qui a duré à peu près 11 mois, mais qui a été remplie de bons résultats. Tu as gagné le championnat canadien? Oui, l'année passée, c'était à Sherbrooke, donc on était chanceux. C'était la première fois en, je pense, plus d'une décennie que les championnats canadiens étaient au Québec. Puis j'ai eu une très bonne journée. J'ai remporté le championnat canadien devant la maison, devant mes amis, la famille. Fait que c'était vraiment un moment culminant et spécial pour moi. Tu te retires quelque peu du cyclocross professionnel depuis quelques semaines. Est-ce que c'est rare que le champion canadien se retire? J'ai pas vu ça souvent, à part pour certains athlètes qui sont très âgés. Moi, aujourd'hui, là, je viens toujours d'avoir 25 ans. Effectivement, je me retire avec le maillot de champion canadien sur le dos. Donc, dans un sens, je peux le voir comme une belle façon de terminer ma jeune carrière malgré tout, parce que en général, le monde continue au niveau professionnel jusqu'à environ 35 ans. Moi, j'ai arrêté très tôt par rapport à d'autres. Mais en même temps, j'ai d'autres beaux défis, puis j'ai d'autres belles opportunités à l'extérieur du vélo que j'ai voulu poursuivre, que je ne pouvais pas poursuivre en étant à temps plein cycliste professionnel. Jérémy Martin a compétitionné longtemps sur le circuit de la Coupe du monde de cross-country. Il est en ce moment champion canadien de cyclo-cross. L'équipe du Vélérium lui a confié le rôle d'ambassadeur d'une autre course ce week-end, le Red Vélomag. C'est une compétition en parallèle, une compétition de niveau amateur qui a plusieurs distances. Donc, il y a un événement de 15, 30, 60 et 100 km de vélo de montagne. Donc là, on parle plus de cyclocross. C'est un événement qu'on appelle un marathon. Donc c'est contrairement au Vélérium, que les athlètes bouclent de 7 à 8 boucles. C'est un événement qui est une grande boucle qui découvre plusieurs sentiers entourant le Mont-Saint-Anne. Donc c'est tout aussi intéressant. Le vélo mag, ça fait longtemps que ça existe et ça continue de bien fonctionner. Donc je pense que c'est une formule gagnante. Et on vous invite en fin de semaine à l'événement sportif du week-end. C'est le Vélérium ici au Mont-Sainte-Anne, où les meilleurs athlètes de la planète en vélo de montagne, ils sont au rendez-vous. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.